إخواني أخواتي مرحبا بكم من جديد في قناة لابورس مغاوكين لابورس بورتوس دونك نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون هذه بداية الأسبوع تدخل عليكم بخير آه اليوم ارتعيت إن شاء الله نديرو آه ميزاجور ديال الضحى دوجا بروم الضحى آه الأسبوع اللي فات عملنا سوناسيد اليوم غنديرو الضحى

euh, comme d'habitude, comme j'ai dit toujours, acide Doha, les actions, euh, euh, beaucoup de spéculations, beaucoup d'intérêts spéculatifs, les investisseurs, ou les en général. Donc, euh, fondamentalement, euh, les actions, ce n'est pas des sociétés très très profitables. Malgré les résultats derniers, derniers résultats des canaux, mais toujours techniquement, graphiquement, où les actions sont un peu liquides, trop, pas très chères. Et il y a une raison pourquoi elles sont pas très chères. Donc c'est facile beaucoup de spéculations sur les prix de la et Ou les dernières vidéos plein de fois euh, tant que la tendance, fondamentalement la tendance à long terme ne change pas, on sera toujours dans une phase de spéculation. Euh, et euh, on va voir maintenant où est-ce que nous sommes dans la phase ou le phase. Alors, Comme d'habitude, les euh, analyses de l'Aïman sont des analyses pour recommander achat ou vente de l'action comme Doham, mais c'est juste une analyse graphique sur le comportement des investisseurs, le passé, pour prédire un peu le futur et émettre des recommandations d'achat ou de vente. Je vous laisse lire l'avertissement. Donc nous le... comment on dit nous euh, nous à nous autres, les graphiques, nos spécialité. D'abord, aujourd'hui, je vais pas parler beaucoup de beaucoup de à long terme, on va parler beaucoup plus. Euh, Fibonacci, situation actuelle, euh, très court terme aussi, et à euh, moyen terme. On voit qu'il y a qui sont fondamentalement, ou euh, graphiquement, techniquement, euh, l'action de euh, euh, Doha. Donc, on a là-bas, on est fait une phase de la phase, on a le canal aussi, comme ça, on a dessiné là. On médiane de l'eau qui est là, qui est plusieurs fois, quand on a l'effet le prix. Mais surtout, on a, fait, on a fait le retracement actuel, la baisse actuelle, ou est il est durable ou là-là. Techniquement, est-ce qu'elle va continuer ou pas, d'après les graphiques On va un peu zoomer parce qu'on plus

alors, on c'est un niveau de support majeur. Okay on a actuel. live. Donc, est-ce qu'on va rester en bas le plus haut au moins entre Donc, non aujourd'hui. Ok, c'est un weekly, mais c'est une journée sur toute la semaine comme on dit. Donc, ce n'est pas toute la semaine, mais euh, a est-ce que ça veut dire que la, la, euh, la tendance de retracement va continuer ça se peut C'est le niveau qui hiver on est à bas c'est un niveau qui est va il a cette partie là à 155 c'est 50% d'elle à peu près donc y a deux niveaux là il y a une zone majeure il y a le le retracement comment il va euh,

donc, le Daily ou l'entrée, on va voir, je n'ai les options, il est là. Je n'ai les options, il est là. Donc, il doit être le retrasement là. Si on prend un exemple, Ben de la semaine a dit, ça va être comme ça, puis on va monter comme ça. Donc, un des objectifs liquides qu'on a, on dit, voilà, un peu d'extension Fibonacci ici. Et on va voir.

il a dit une chose euh, ça correspond à une projection fibonacci que j'avais mis ici est le pattern là b c d là projection déjà nous donne dans 18 13 la zone à nous dans 18 62 comme un objectif aussi à moyen disons à, à, à moyen terme donc si on prend juste à ça nous donne les deux niveaux 100 il y a 168% on voit on va le voir des objectifs graphiques si on prend l'extension de la jambe on a la fin de la charte la charte 6 et la charte 7 on voit qu'il y a la même chose ça nous donne et bizarrement on voit que le 1,78%, 1,61,8%, ça nous donne 18,71%. Exactement le même que l'Echdina ou l'ordinaire ça nous donne exactement le même niveau. Ok, On va le dessiner à la même place. Donc, la zone c'est un objectif à long terme, à moyen terme, très très euh, raisonnable. Okay? Donc, ça correspond aussi. Il a شفنا la zone. c'est une zone quand il prix il a réagi quand même comme ça c'est ça donc c'est une zone qui va être une zone si la tendance haussière est, liée, mais elle est intacte mais elle pose, la tendance est toujours haussière en, en weekly comme on dit un des objectifs là est de la zone 18,70 à 18,80. C'était une zone d'objectif euh, graphique où le prix va réagir ici, certainement. Okay. Donc, on va la mettre ici en rouge. Et ça va être un des les objectifs des le weekly. Okay. Est-ce qu'on va aller tout droit comme ça Probablement pas. Probablement, le prix va faire. Euh, ah, Peut-être que vous voter ici le, le bas du canal avant de monter, ok? Et ça, c'est logique si on regarde la, la graphique comme ça. Donc, est-ce que ça va faire comme ça et monter? On ne le sait pas, mais pour le moment, les objectifs en route. ça veut dire que vous avez le canal, comme ça. Et c'est logique d'après les extensions Fibonacci, ok? Donc, euh, et aussi, on a ici le niveau ici. Had la zone Headie, c'est zone, on va la tracer aussi avec un triangle, un rectangle. OK? Ça coïncide avec la zone Diana. Donc, weekly, euh, le moyen terme, headad des les objectifs sont très réalistes basé sur la configuration graphique. Aujourd'hui je vous le daily le dernier retracement. Il a quand même le daily. Je m'excuse en chofu. Côté indicateur. le RSI a une divergence négative à Jakarta n'ayant. Probablement a la divergence ici, les qui n'avaient pas fait le retracement En même temps, a chofu n'ont comme ça il a à une... de la ligne de tendance on est toujours la tendance entière il est intact donc qu'on a de la ligne paradis pas cassée par le RSI on sera en, en tendance positive donc on va surveiller les deux lignes comme ça, comme ça. Okay. il a montré le volume la moyenne mobile de volume il est en hausse si on exclut les derniers jours les dernières semaines, mais est le volume lui-même, depuis le début d'Elhad, la section à l'augmentation, il est en baisse. On voit qu'on baisse un petit peu. Donc l'intérêt euh, du public baisse un peu. Ici, il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de spéculation. Et probablement, euh, donc racistes, les spro, de, de la spéculation. Alors, on a fait des périodes, de la retracement, de la deuxième Techniquement, euh, on, le RSI il est un peu négatif tant, et un peu positif si on prend un peu la, la tendance qu'on garde toujours. Il okay. aime ça, c'est le MACDI. Le premier retracement, on n'a pas fait un croisement négatif. Le deuxième croisement, on est encore loin de faire un croisement négatif. On le voit ici. Mais on n'a pas aussi de divergence. On a une baisse de momentum avec l'histogramme, le, 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 mais le côté, euh, le MACD lui-même, il est positif. Il n'y a pas de divergence négative ici, on le voit ici. Okay? Donc le MACD, il est positif. Le RSI, il y a une divergence négative avec un peu de positif avec la ligne qui n'est pas cassée ici. Le volume, ça baisse un peu donc si on voit qu'il y a une reprise d'intérêt on aimerait avoir une reprise aussi de volume au moins au moins correspondre à le même niveau les canadiens n'ayant fait la période à dire les 2021 tel la fin char fin dit l'intérêt beaucoup de volume okay? donc ça c'est le weekly il a mis daily daily on va aller voir beaucoup plus. On a un ad On les indicateurs. Donc, euh, important de voir où est le niveau On est d'abord, juste un petit peu. Mais on a une configuration un peu bizarre ici. Donc, euh, euh, si on prend... Euh, on atteint le niveau ado, ça fait plusieurs jours qu'on on euh, a donc on a une, une décision ici. Qu Est-ce qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va baisser on, on va monter? Donc on n'a pas pris encore de décision. Quand on parle ça, c'est nous les investisseurs, c'est les les, les, les les joueurs de marché, comme on dit. Donc il a fait une on voit ici le niveau les derniers et on va voir ici euh, le niveau le l'hélium plus bas. Voilà. le plus bas. Euh, le plus bas quand on a dû faire le vin, le vin on a dû la clôture, 11,80, ou d'abord on a dû la clôture, 11,75, 5 sous, 5 centimes de différence. Okay. On n'a pas cassé le bas ici, dit Al-Hadla le, le, le bas ici, je m'excuse, c'est 11,62. Donc là je mets pour moi Headl Boujia et comme le point de trigger, le point de déclenchement. Donc si dans mes calculs, euh, disons ça sur le daily, mes projections Fibonacci, c'est ça. Donc on va le faire là maintenant. On va l'enlever ça. On va le refaire. On va prendre notre projection Fibonacci. Donc si je casse ça là, mon objectif, ça serait... Comme ça on va le faire ensemble ça m'amène à une cassure de l'aide ça va m'amener vers un niveau non 9 41 de la configuration mobile non 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 ça me donne un, un objectif 9 41 à 9 41 il coïncide aussi avec si je prends on va l'enlever ici, on va la refaire. L'air de l'augmentation du prix la jambe. C'est le plus haut liquide na actuellement. On les niveaux de fibrillation. On voit que 0,618% coïncide 100%. avec la projection les multiples de bas. Il coïncide aussi avec le plus bas liquide na naya a le plus bas Donc ici. J'ai un objectif ici. C'est une zone d'achat. On va la mettre en jaune. Okay. Donc, si une fermeture en daily avec un bon volume en bas d'Elhead 1 euh, en 62, on s'en va vers 9,41, la zone de 9,41. Donc, ça c'est daily. Ça c'est une zone probablement d'achat pour aller chercher un point d'entrée plus bas. Ok, had il a xé nous a comme ça, on a, regagné, comme on voit ici le, le, uh, weekly. Quand je vous que le niveau là, c'est exactement le bas de l'ad le, de le bas de canal On va le voir. On va retourner. Donc on a plusieurs indicateurs. Uh je m'excuse. Je vais juste zoomer un peu plus. On va le voir plus facilement. Donc, on a le niveau là-dedans. où est le plus bas de l'adn. Mais en même temps, proche de ce canal Donc, on est proche ici. On va venir ici dans le... Donc, c'est le niveau là Donc, si on suggère la même tendance comme ça, maintenant, on s'en va vers le bas canal, ok? Donc, c'était une probabilité que ça rentre, reste dans ce canal-là de weekly, mais en même temps, on atteint l'objectif daily, daily. Donc, ça, c'est un des scénarios à surveiller. Ça se peut aussi que ça nous donne le prix il fait comme une configuration. Ça se peut, je dis, là, tout est possible. Donc, ici, on a un un pattern, quand on commence, on peut, on peut en faire un. Au lieu de couper, euh, disons, aller immédiatement au bord, on peut faire comme un pattern aussi d'un head and shoulders, ok? Similaire, mais les son il a Donc, il y a l'objectif il a de comme ça. C'est exactement le même objectif ici, ok? Donc, ça, c'est une possibilité aussi

Okay. est-ce que ça c'est comme un, un triangle euh, descendant comme on est okay. on descend comme ça généralement quand ça arrive on va le dessiner euh, on va faire un peu de théorie de ça que quand on est en tendance baissière et on trace un triangle comme ça. Fais généralement, si on fait comme ça la, la ligne, puis on a une autre ligne presque, on excuse, presque horizontale comme ça. L'objectif de la pattern est qu'on uh, plus bas. Okay, parce que c'est un, un pattern de continuation, ce pas un pattern de renversement, généralement, je vous dis, de, de tendance. Donc, on va continuer ici. Et comment calculer C'est juste euh, prendre le. On va prendre le, le prix. Euh, pas le prix, maintenant. Le début. Et on va le projeter dans le futur, comme ça. On va le faire la même chose. ça, Ça nous donne l'objectif de ce pattern là, OK Donc là on va le faire en réalité, on va le prendre comme ça. Et ça va nous donner probablement exactement ce que les chinov okay. Donc il va nous donner ici vers le 9 71 à derrière ça nous amène quelque part, on va juste le refaire comme il faut, mais je le, le zoom comme Ok, donc ça, ça nous amène 9,60. Ça, c'est très approximatif, mais dans ces zones-là. Donc, à nous les zones, les flambées-là, daily, les bas en moins. Donc, ça nous amène à ces les zones. Donc, look, un pattern de, c'est un pattern de continuation. Si là, déjà, on a sorti de nous, il est de ce pattern, mais

دونك مازال ما خرجناش من نص اون بورسون دونك تنسدو تحت هاد ل... هاد لو نيفو هذا ديال 11 اوفيرتور هذا هو 11.72 كاين اوكي الى سدينا شي بوجي كبيره هنايا هاد لو باترن هذا سانو دون واحد لوبجيكتيف كيف قلت اكزاكتومون داكشي اللي شفنا في الديلي Off-weekly, entre 9,30 et 9,60, on serait dans un, un objectif réaliste, même pour uh, faire de la configuration là-dedans. Uh, pour l'entrée-day. Et ça nous amène ici à faire des niveaux là On va même le tracer avec uh, une zone de rectangle c'est la même chose. OK. Donc configuration, c'est ça qui euh, graphiquement c'est ça un peu les objectifs là euh, qui peuvent nous amener à dire que c'est comme ça le prix va se développer au cours des prochaines semaines, des prochains jours. OK euh, L'inverse peut arriver que le pattern ada sera pas invalidé puis le prix recommence. OK Donc c'est sûr. Si ça recommence, on va suivre un peu l'évolution, ah, oh, les projections de la Weekly euh, pour euh, l'avenir. Okay. Donc, une zone importante d'achat, les barricheries à long terme, ils spéculent un peu. Ah, donc, probablement, si le prix descend, il de la Niveau est de 9 39 de 9,39, 9,40, 9,60, est de la zone indice, c'est une zone, de, disons, qui est supportée par plusieurs éléments, c'est une zone d'achat. Euh, C'est ça un peu là, la mise à jour que je voulais faire pour euh, Doha. Donc euh, on sait pas que ça si ça va se réaliser ou pas, mais on verra. Un oui, on a le dernier bout, la dernière bougie d'elle le 27 9 daily. Aïe, tu as choufou, d'abord je fais la vidéo en même temps que le euh, live que le marché. Donc on va voir ici. Comparer à la disons le daily comparé des autres bougies non par vraiment euh, par rapport au marché on s'en va euh, ça se voit qu'il y a un moment un négatif sur l'action okay. donc ça ne veut pas dire que ça va 100% se réagir mais on va voir donc tout maintenant inchallah à cette vidéo a de l'arménie de la

et des actions spécifiques, ou même euh, euh, des connaissances sur l'analyse technique générale. Mm. De temps en temps, je partage un peu de, de, de la théorie de l'analyse technique. Prenez soin de vous, merci beaucoup, et bonne chance, Inch'Allah, salam alaikum.